Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de finalement réagir à un album de Maître Gims, aka Gims, parce que maintenant, je pense qu'il a enlevé le maître. En tous les cas, dans les derniers clips de Maître Gims auxquels j'ai réagi, dans le titre, c'est Gims et non pas Maître Gims. Anyway, j'ai décidé de réagir à Subliminal et pour être encore plus exact, à Subliminal, la face cachée, soit la réédition. Donc, on va faire les... Attendez une seconde. Il y a combien de titres dans la réédition? Je crois 24. 24 sons et on va faire ça en deux parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire 12 sons et donc pour la partie 2, ça sera 12 sons également. Donc, on va débuter par l'intro et on s'arrêtera à épuiser. Et puis, pour la partie 2, on reprendra de Laisse tomber et on finira avec Warano Style Baby. Mais l'album, l'original, donc juste Subliminal, contient 18 titres. Il se termine à Changer, ok? Voilà, maintenant vous savez tout. Et j'ai décidé en fait de réagir à cet album en particulier de Gims, car je vous ai posé la question dans plusieurs de mes vidéos, quel est selon vous le meilleur album de Maître Gims? Et je pense que la majorité ont voté pour Subliminal. Donc voilà, je vais tout d'abord expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne les réactions d'albums sur Patreon. Alors, ce qu'on fait, c'est que généralement, je débute par la lecture de la présentation du projet qui nous est offert par Genius.com. Après ça, on écoute chanson par chanson sans faire de pause. Et après chaque chanson, je vous donne mes impressions à chaud. Et pendant l'écoute, eh ben, on lit les paroles sur Genius.com. Voilà. Et je pense qu'on aura le temps de finir la réaction de cet album Subliminal, La Face Cachée, et de réagir à un autre album avant l'album de Dinos, qui va sortir, je crois, le 4 novembre, si je ne me trompe pas, et qui se nomme Hiver à Paris. Voilà, et bien évidemment, j'en ferai une réaction. Voilà, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier pour votre soutien incroyable sur la plateforme. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire ça. En gros, c'est vous qui me payez pour faire ça et c'est grâce à vous que je peux payer mes factures. Donc, merci énormément. Merci pour ce café mensuel et j'espère qu'on va tous kiffer ensemble. Et donc, without further ado, let's jump right into it. 66322, non, ce n'est, je crois qu'ils se sont trompés, hein. Ils ont oublié de mettre le pas. Non, ce n'est pas un code postal des Pyrénées-Orientales, mais bien le nombre de ventes réelles de l'album Subliminal de Maître Gims lors de sa première semaine de commercialisation. Au coude à coude avec les Daft Punk, il a en effet vendu plus que Booba ou Rof, alors qu'il ne s'agit que de son premier album avec 518 000 ventes physiques et 145 022 ventes digitales. C'est énorme. L'album sorti le 20/05/2013 a par ailleurs connu un succès tel que le rappeur du 75e a décidé de sortir une réédition intitulée La Face Cachée. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur l'album à travers le site Genius.com. Et sachez que les chansons que je connais de cet album sont Meurtre par Strangulation. Alors, je me rappelle encore exactement le jour où j'ai découvert cette chanson et là où j'étais et à quel moment c'était. Parce que je sais que c'était encore le matin, c'était peut-être vers 11h du matin. J'étais à Alger,
Ok, parce que j'étais retourné en Algérie pour y vivre pendant une période de 10 mois, je crois. Et c'était en 2012. Je crois qu'il avait balancé le clip de Meurtre par strangulation en 2012. Et j'avais regardé le clip, je crois, c'était ça, vers 11h du matin, un truc comme ça. Et je m'étais pris une claque tellement forte que le son là, il est encore dans mon téléphone aujourd'hui. Alors, j'ai découvert Vécu de PQ il n'y a pas longtemps. Et je connais aussi Bella. Je crois que Bella aussi fait partie de cet album. Ouais, voilà, Bella. C'est les seuls sons de l'album que je connais. Voilà. Anyway, j'espère que vous êtes prêts car moi je le suis. Et donc, on va débuter par, bien évidemment, la première chanson qui se nomme Intro. Donc, c'est tout à fait normal. Let's do it. C'est quoi ce délire? C'est beau, hein? Mais m'attendez pas à ça. La grosse cloche bien dramatique. Piano. Violon. Oh. Wow. Il est solitaire. Il est solitaire. La jalousie de l'homme l'abîme. Il désire ce qu'il n'aura pas. Il est plus noir que son ombre solitaire. Ne dérangera jamais son ventre, empoisonné par ce qu'il sait. Il est solitaire. Il est solitaire. Wouch! Ah ouais, ils y ont tout mis là dans cette intro. D'ailleurs, c'est un sample que j'ai moi-même dans mon ordi, que je pourrais utiliser quand je fais des instrus. Oh shit! Ah, ça c'est une transition vers Murder by Strangulation! Oh shit! Oh my god! Tu vois, c'est ça. Oh, vous avez entendu, c'est ça qui me dérange un petit peu, tu vois, avec les réactions d'albums, le fait d'être un peu obligé de vous donner quand même mes impressions de chaque chanson, tu vois. Donc ça ne me permet pas d'écouter un album de A à Z, c'est-à-dire qu'il y a des albums qui s'écoutent de A à Z sans faire de pause, tu vois, parce que les transitions entre chaque chanson ne sont pas faites pour faire de pause. Genre, tu dois enchaîner, c'est comme ça. Anyway, alors cette intro, bah moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé parce que, en gros, j'ai l'impression qu'elle te présente Maître Gims, tu vois. Alors, non, il n'a pas rappé dedans, malgré le fait que Maître Gims est un très très bon rappeur, tu vois. Mais ça te montre son intention et aussi le fait que ce soit un chanteur, tu vois. Et un chanteur, genre presque opéra, tu vois. Donc, on l'a entendu là, le. Dès le départ, et puis il est solitaire, tu vois, il a bien évidemment doublé sa voix, il y a une harmonie donc entre ses voix qui ont été doublées.
Moi, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé l'instru aussi. Donc, t'as du piano, t'as du violon, t'as des cloches, t'as des leads, hein, parce qu'il y a même des bruits électroniques dedans, surtout vers la fin. Franchement, c'était épique et j'ai surkiffé ça. Alors, le couplet unique, il n'est pas compliqué. Hein. La jalousie de l'homme l'abîme, il désire ce qu'il n'aura pas. Il est plus noir que son ombre solitaire. Boire un lac d'or et d'argent ne dérangera jamais son ventre, empoisonné par ce qu'il sème. Waouh, le poème, tu vois. Non, c'est du lourd, c'est du lourd. Et franchement, l'enchaînement sur meurtre par strangulation, parce que toi-même, tu sais, c'est comme ça qu'il le prononce dans la chanson. Hein. Moi, je l'ai toujours entendu comme ça, genre avec un accent anglais. C'est énorme. Et c'est pas une chanson calme. Hein. Murder by strangulation. Pff, bon, on perd pas de temps et on enchaîne sur... sur cette chanson épique. Je vais pas pouvoir me contenir. Hein. Il va falloir que je chante avec lui, que je rappe avec lui. En tout cas, je vais m'enjailler. C'est l'un de mes graves plaisirs, en fait, quand je fais des réactions et quand je réagis comme ça. Là. Donc, voilà, on y va. Subliminal. Make you what I know. Oh my God. Ça va frapper fort. Forte, mais ta tête au sol. Penalty. Bienvenue. T'as le choix entre pas guérir. Ici on apprend à déconner sans atterrir. Est-ce que Usain Bolt compte plus vite que Ben Ali? Murder by strangulation. 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 Apparence. Les plus dangereux sont tout petits. J'ai vu des monstres avec des cœurs de filles. Avec le délai. Au paradis. Quand on sait qui brise, faisait partie des gens bénis. Explique-moi pourquoi je flippe d'aller chez la famille. Effectivement, la bête d'Aaron peut mettre du poison dans mon riz. Ou me sacher dans mon lit. Tout homme souhaite mon anime. Je veux mourir à vendredi. À Médine ou à Taïf. Fais-moi voir le colis. Fais-moi voir le colis. Pas confiance en sa justice. Mon avocat est commis d'office. Il y avait des traces de sang sur le lit. Les petits ne parlent que de bif. Reportage sur la service. Regard sur place pour HDMI. Ne me fais pas conneries. Ne me fais pas conneries. Mieux vaut faire profil bas lorsque l'État envoie ses gorilles. Je suis comme Hallyday face au fisc. Hallyday face au fisc. Ton destin est sombre, mon fisc. À être un noir en France, c'est horrible. C'est un style de vie en risque. Va falloir bosser comme un OG. J'ai dit en trop qu'est la biologie. Pour devenir OG, triple OG. Triple OG. Faut mettre ta tête au sol. Penalty. Bienvenue, t'as le choix entre pas guérir. Ici on prend des connaissances à périr. Est-ce que Usain Bolt court plus vite que Ben Ali? Murder by strangulation. 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 Parle pas de toucher des millions à ceux qui touchent le fond. Ceux qui touchent le fond sont souvent ceux qui poussent le plus la fonte. Des idées mais pas les fonds. À qui la faute? Je veux pas dormir sur le dos. Le diable est posé sur le plafond. Des idées mais sans budget. Je suis peiné, ça m'inquiète. Pendant que les employés de business mangent le pénis amitié. Je me suis dit ça sans l'osé. Ma barbe ils veulent raser. Pourtant les filles de ces racistes me demandent mon 06. L'objectif n'a pas changé. Direct capitulatif. Vivre et mourir entre amis. Vivre et mourir en camis. Bien sûr. Mais laisse-moi préciser que c'est une pierre précieuse. Oh. Pas de bol. J'ai vu des bêtes où y'a pas d'eau mais y'a le McDo. Fais-moi voir le colis. J'ai pas confiance en ta justice. Mon avocat est commis d'office. Fils. Make it one out. Make it one out.
Muggy Guarano. Faute, mets ta tête au sol, penalty. Bienvenue, t'as pas le choix entre pas périr. Ici on apprend à tes connaissances à périr. Est-ce que Usain Bolt court plus vite que Penalty? Murder by strangulation, 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 murder by strangulation. Oui. Yo, yo, mais franchement, c'était une claque pour moi la première fois quand je l'ai entendu parce que c'était unique dans son genre. J'avais pas encore entendu une instru comme ça là, avec donc ces notes, ces accords simples, hein, certes, mais bien bressons, tu vois, qui apparaissent de temps en temps et qui en vrai sont utilisés comme une sorte de basse, tu vois. Et voilà, t'as la contre-mélodie qui vient et c'est les hautes, les notes aiguës du piano. Et puis t'as quoi? T'as juste des snares que tu entends super bien et tout. Et puis t'as Monsieur Gims qui est fâché, quoi. C'est aussi simple que ça, qui dénonce la société, fâché, qui kick sa mère, qui change de flow. Je veux dire, à la fin, là, moi, j'ai jamais réussi à le suivre, tellement c'est rapide, là. C'est une tuerie. Et le refrain, tellement, tellement, tellement catchy. Et là, il te dit, tu vois, avec le deuxième son, qui est en vrai le premier son de l'album, c'est du rap. C'est que du rap, tu vois. Donc, il est en train de te dire, je suis rappeur. Et ça, n'oubliez pas, c'est le premier album de Maître Gims. Hein, après avoir énormément taffé avec la section d'assaut. Ouais, donc le murder by strangulation, murder by ça, et la répétition, tu vois, le chopping et tout. Et aussi, j'aime bien les délais qu'il rajoute, en fait, de temps à autre à la fin des phrases. Franchement, une tuerie, c'est un classique pour moi ce son-là. Voilà, et même le clip, hein, il est simple, mais efficace. Peut-être qu'un de ces jours, on fera un comment on appelle ça? Une sorte de... Je sais pas comment je pourrais appeler cette playlist où on réagit aux anciens clips que j'ai déjà vus, tu vois, genre on les revisite, quoi. Alright, on passe au son numéro 3 qui s'appelle... Eh, je me tire quoi, hein, je m'enfuis. Voyons voir si je connais, hein, peut-être, hein, on verra. Parce que c'est quand même un vieil album quoi.